Hello, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, on va attendre quelques instants pour que chacun et chacune puisse arriver tranquillement et qu'on puisse commencer ce cercle de parole. Un cercle qui sera autour de la présentation du soin Rebozo dont on vous a pas mal parlé. Hello! Et qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Megan, qui est ma collaboratrice de cœur, mon binôme au sein de la salle de soins et avec qui j'œuvre pour vous présenter ce soin Rebozo et qu'on fait, on propose ce soin Rebozo. Donc on attend juste ça. Hello. Ok. Alors Megan, je t'invite du coup à faire une demande. Yes. En attente, je vais pouvoir vous présenter. Du coup, Megan, je suis dans le jardin. Donc, salut Megan. Bonjour. Alors, ce que je disais, c'est que je suis dans le jardin. Donc, on entend aussi bien les oiseaux que les voisins. Donc, j'en suis par avance désolée. Mais on va faire au mieux. Je pense que voilà. Les esprits vont faire en sorte que ça puisse être un live qui soit le plus propice et propice aux échanges, oui. Échanges énergétiques. Comment vas-tu, Megan? Très bien, et toi? Oui. Recevoir et de t'accueillir au sein des Amazones parisiennes. Alors, on va attendre quelques petits instants de manière à ce que chacun et chacune puisse arriver. Il y a encore des personnes qui arrivent. Hello. Ouais. Cool. Bon, bienvenue au live Insta des Amazones parisiennes. Donc, on poursuit tout simplement le programme qui a été préétabli. Donc, ce matin, vous avez eu Ola à 11h avec le yoga. Demain, vous allez avoir Mika. Enfin bref, on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais simplement pour vous dire qu'aujourd'hui et à cet instant même, on va vous parler du soin Rebozo et vous présenter Megan, mon binôme de cœur, comme je vous l'ai dit au tout début, avec qui on œuvre voilà, chaque jour pour proposer des soins qui soient complémentaires, des soins qui soient qui répondent aux besoins de chacun et de chacune. Et donc, c'est Megan, notre Amazon thérapeute, que j'annonce officiellement aujourd'hui, de manière officielle. Et est-ce que tu voudrais nous faire un petit partage de ton parcours en quelques mots? Ouais, bah, je vais vous faire une petite courte introduction sur ma personne. Moi, de première profession, je suis artiste-interprète. Et je suis donc thérapeute depuis quelques temps et j'ai une formation en gynécologie holistique et en yin yoga. Donc je m'intéresse principalement à la santé féminine et un peu tout ce qui entoure, tous les prismes autour de la santé féminine me passionne et me transcende. Et donc j'essaie de partager voilà, avec les outils qui sont à ma disposition au maximum pour accompagner les femmes dans différentes strates de vie et aussi voilà, toujours adapté à l'histoire de la personne, aux symboliques personnelles et toujours ramené à quelque chose d'individué et qui soit aussi en reliance avec d'autres femmes sur ce chemin. Ah oui, tu fais un cercle de parole? Tout à fait, ouais. J'organise des cercles de parole, ouais. Et qui sont des très beaux espaces justement pour utiliser bah, la médecine de la parole qui est une grande médecine de simplement se proposer un temps d'écoute de l'autre et un temps d'écoute de soi aussi et de prendre pleinement sa place pour déposer ce qu'il y a à déposer au moment du cercle et c'est des très beaux espaces que j'adore faciliter. Ah, effectivement, j'ai participé à un espace avec toi, cercle de parole. Ouais. C'est très puissant, donc c'est un cercle de parole qui dure 3 heures et qui est bouleversant. Chercher des choses en profondeur et c'est, ouais. C'est bon, on en sort en tout cas plus forte et plus grande parce qu'on a été soutenue par toutes ces femmes qui nous entourent et c'est très très bon. Merci en tout cas. Bah, merci à toi. Cette continuité. Vous parlez du coup de ce soin Rebozo qu'on avait envie de vous partager avec Megan aujourd'hui en live sur les Amazones parisiennes pour vous donner un peu plus de détails sur ce soin, sur son déroulé, sur les matériaux que l'on utilise. Vous voyez là derrière la petite tente, mais vous en parlerez un peu plus en détail tout à l'heure. Mais ben voilà, donc ce soin Rebozo est un soin qui nous vient du Mexique et qui a été un petit peu...
personnalisé quelque part où Mégane et moi et Chloé Rosa, on lui fait une petite on lui envoie une petite pensée, avec qui en fait on œuvre toutes les trois pour vous proposer un soin Rebozo qui soit personnalisé et qui soit aussi en accord avec nos envies de partage, envies de vous emmener un peu plus loin dans le cheminement et dans le voyage au centre de soi. Et qui vient vraiment chercher en profondeur. Donc, c'est un soin qui dure 4 heures. C'est un soin qui est offert par deux femmes à une femme et que l'on considère pendant tout ce soin et au-delà comme le trésor le plus précieux au monde. Et j'ai envie de dire également que ce soin, donc il y a toute une préparation en amont où on va venir prendre contact avec la personne. Et j'ai envie de dire que le soin commence à cet instant-là où vous avez décidé de prendre le temps de vous offrir ce soin à nos côtés. Et ensuite, donc il y a cette partie d'intention où on vient vous accompagner pour déposer une intention pour vous et rien que pour vous. Cette intention va être partagée ensuite à toutes les deux, à nous deux, donc Mégane et moi. Et ensuite, on va vraiment garder cette intention en nous, en tête, donc comme un mantra énergétiquement, de manière à ce qu'on puisse vraiment accompagner au mieux la personne, dans tous ses corps subtils, dans son énergie, dans son corps aussi physique. Et voilà, donc Mégane, est-ce que tu voudrais bien nous donner un peu plus de détails sur les différentes étapes que l'on survole? Oui, bien sûr. Donc on a décidé... qu'on a décidé avec Iba et donc Chloé dont on vous parlait juste avant, qui est Chloé Rosa, qui est sage-femme, d'élaborer en fait une formule autour des différents éléments. Et on avait vraiment envie aussi d'apporter notre patte et aussi d'apporter notre univers quelque part dans ce soin pour que ce soit aligné en fait dans ce qu'on puisse vous proposer et aligné aussi à nos origines respectives, aussi à la terre sur laquelle on est en train de prodiguer ce soin, qui est la terre celte et qui est la terre française. Et donc comment se ramener aussi ces traditions-là au soin Rebozo. Et donc on a décidé de travailler avec les différents éléments et notamment de commencer le soin avec l'élément air, où on fait une purification à la sauge du corps en entier, vraiment quand on accueille la femme qui vient nous voir pour le soin. Et on va justement en fait venir nettoyer les corps subtils pour permettre l'ouverture du processus du soin Rebozo, qui est vraiment tout un procédé qui va demander une grande intériorité et qui va vraiment être dans la communion de ces trois femmes, celle qui prodigue le soin et celle qui le reçoit. Bravo. cette sauge blanche que l'on utilise du coup pendant avant et pendant le soin pour déjà aussi harmoniser l'espace pour accueillir la personne, harmoniser tous les corps, comme tu disais Mégane, les corps subtils de la personne qui va recevoir ce soin. Donc cette sauge, elle a des vertus vraiment extraordinaires. D'harmonisation, je n'aime pas trop parler de purification, puisque tout est positif, tout est négatif, et a une énergie qui est complémentaire et qui unifie. Donc voilà, on parle plutôt d'harmonisation, mais c'est une plante très très très... Enfin, si vous avez l'occasion à la maison de la voir, vraiment de venir vous harmoniser tous les jours, harmoniser l'espace, surtout dans ces moments un peu difficiles. Ouais. Et qui vous permet aussi de faire une introspection un peu plus juste selon vos émotions du moment et vos ressentis du moment. Je voudrais aussi nous parler des quatre éléments que l'on évoque en détail du coup. Alors du coup, on va continuer avec que je retrouve mes éléments pour tout vous dire bien dans l'ordre et qu'on ne se trompe pas. Donc on est l'élément eau. Et donc avec l'élément eau, on va venir en fait pendant la dépose d'intention qui a été faite au moment de la prise du rendez-vous, on va venir reformuler cette intention pour aussi la remettre avec des mots qui soient justes par rapport à la journée du soin, la journée où le processus va se dérouler. Et donc l'élément eau va être utilisé avec un bain de pied aux plantes pour venir à nouveau harmoniser ces énergies, et les énergies qui passent aussi très souvent par les pieds et l'ancrage à la terre, et donc venir justement libérer ce qu'il y a à libérer dans ces eaux
avant de pouvoir continuer le processus. Et ensuite, on a l'élémentaire qu'on va retrouver donc plusieurs fois dans ce soin. Et Iba, est-ce que tu peux nous dire ajouter quelque chose sur l'élément eau? Oui, sur l'élément eau, effectivement, la connexion est là. Je rajoute très simplement que les plantes qui sont utilisées pour le bain de pied, ce sont des plantes qui ont été précisément et spécialement choisies pour accompagner la femme dans son processus. Donc, les plantes ne sont pas les mêmes pour toutes et elles sont en accord avec ce que la femme a envie de guérir, ce que la femme a envie de traverser avec fluidité, harmonie et l'accompagner au mieux dans ce processus. Voilà. Merci. Donc ensuite, on a l'élémentaire. Et donc avec l'élémentaire, on va commencer par un massage à quatre mains. Et donc c'est un massage qui se fait entièrement nu, sur le ventre et sur le dos, sachant qu'il est évidemment possible de garder un sous-vêtement ou bien même d'amener un maillot de bain si vraiment la nudité est un obstacle, parce que ça peut aussi être le cas et c'est un moment pour soi. Donc c'est aussi un moment où on va respecter évidemment le souhait de la femme qui veut le recevoir. Mais en tout cas, c'est un espace qui sera vraiment sécurisé et dans lequel on peut justement accueillir en fait cette vulnérabilité de la peau finalement et de comment est-ce qu'on on referme et on ouvre d'une manière totalement vulnérable et en étant totalement soi et nu face à cette intention qu'on est en train de poser. Ce que j'ajouterais juste, c'est que le soin du coup débute par les pieds qui ont été préalablement accompagnés avec l'élément de l'eau et les plantes, et on remonte donc des pieds jusqu'en haut du dos, du corps, de tout le haut du corps, la tête, etc., pour ensuite commencer à vraiment ouvrir toutes ces portes énergétiques, toutes ces portes du corps subtil et du corps corporel, hein, du corps physique, pardon. Et ensuite, je te laisse continuer. J'attends ton corps. Sans suspense, à chaque fois. Oui. Oui, mais c'est important que tu parles justement du fait qu'on commence par les pieds, qu'on remonte ensuite, et vous verrez qu'on fait le trajet inverse à la fin du soin, parce qu'il y a vraiment ce côté d'accompagnement en fait, d'une montée d'énergie, d'une montée de chaleur à travers tout le soin, et où on vient à la fin refermer et venir ancrer aussi du coup ce qui a été contacté pendant le soin. Et donc là, on vient lever au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'on a aussi la tisane de plantes qui, de la même manière, est avec des plantes qui sont donc choisies pour accompagner ce moment. Et qui sont donc, Iba, comme tu me l'as rappelé il y a peu, c'est vrai qu'on utilise en fait les mêmes dosages de plantes dans ces tisanes. Ah. Et la tisane a toujours un goût différent en fonction de la femme qui reçoit le soin. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Incroyable. Et alors, j'ai envie de rajouter même que pour avoir fait un soin à plusieurs reprises aux membres de ma famille, donc à mes sœurs et à ma mère, et en fait, à chaque fois, cette tisane est différente parce qu'elle est différente au moment, à cet instant T. Même si c'est pour la même personne, j'ai envie de vous dire que vous avez été traversé par tellement d'émotions, par tellement de choses qui vous entourent et qui vous animent de l'intérieur, qu'à chaque fois, ce son est différent, cette tisane est différente, elle vous accompagnera au mieux pour aller un peu plus en profondeur. Et je rajouterais juste par rapport à cette tisane qu'il y a des plantes qui viennent à la fois détoxifier, à la fois réchauffer le corps pour vous permettre d'être pleinement relâché puisque vous êtes amené à être nu pendant le soin. Et également à purifier. Donc après un soin, on va souvent éliminer urine, sel, de manière un peu, je dirais, un peu anormale, mais c'est parce que voilà, ça vient brasser tout l'abdomen, tout votre corps, tous vos systèmes, système hormonal, système nerveux, etc., et qui va vous permettre d'aller un peu plus en profondeur. Ouais. Et ce que tu dis me ramène justement à la beauté, je trouve, de l'entièreté en fait de l'être humain. Et de toutes ces sphères qui viennent communiquer les unes avec les autres, et cette sphère émotionnelle qui est touchée en fait pendant ce moment-là, qui va être révélée à elle-même et qui va toucher la sphère énergétique et qui va venir forcément impacter le corps physique et tous les systèmes du corps. Exactement. Et c'est très beau en fait, toute cette reliance est très juste et très belle pour accompagner ce moment. Donc on parlait du massage à quatre mains, donc qui est fait aux huiles végétales, donc de tout le corps, donc qui est un moment assez exceptionnel
à vivre, parce que là, on est vraiment aux petits soins. Donc, c'est très, très agréable de le prodiguer tout autant que de le recevoir aussi pour l'avoir reçu. Iba et moi, on l'a reçu aussi. Dans le corps de cette merveilleuse femme, c'est juste un plaisir. Et puis, cette cohésion que l'on a toutes les deux, Mégane, parce qu'on est, il y a un temps de... On se recentre l'une avec l'autre, oui. On se recentre, on vient se connecter l'une avec l'autre, avec la personne en question, et on commence, et il y a comme une danse. Oui. C'est un moment, on ne sait plus quelle heure il est, où est-ce qu'on est, avec qui on est, et on ouvre les yeux, on fait « Ah oui, ok ». C'est parti, effectivement, hyper loin. Totalement. C'est vrai, c'est une notion qui est hyper importante, et je te remercie de la soulever, parce que c'est aussi bien un soin pour cette merveilleuse femme qui a décidé de se l'offrir, mais aussi c'est un soin pour nous aussi, parce que ça vient totalement. Aussi nous tendre, ça nous permet de voyager à travers notre corps, mais aussi à travers cette merveilleuse femme, à travers toi aussi, Mégane. Il y a vraiment une osmose de nos énergies. Oui, de totalement. Place. Vraiment, c'est un moment suspendu, quoi. Le temps s'arrête, vraiment. Ouais, ouais, complètement. Donc du coup, on va continuer avec l'élément feu. Et donc l'élément feu qui va être représenté avec le hammam. Qui est juste derrière moi. Hammam, voilà, que Iba va vous montrer. Voilà. C'est une tente. Je te coupe, ma chérie, mais vas-y. Voilà, je montre comme ça. On est en direct. Donc c'est une tente en fait par laquelle on rentre par ici. Donc j'arrive pas à l'ouvrir parce que j'ai plus de main de libre. Et en fait, donc à l'intérieur, en fait, on se met à l'intérieur. Donc c'est tout petit mais suffisant pour une seule personne. Et l'idée c'est qu'une fois que vous êtes dedans, on vous remet votre tisane. Donc c'est une tisane qui vous soude tout le long du. Et donc ensuite on vient refermer le dessus pour vraiment garder la chaleur. Donc là il n'y a pas la machine, il n'y a pas la vapeur, mais ça peut monter jusqu'à à une chaleur très 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 haute. Et on vient trouver les bienfaits d'un hammam classique, j'ai envie de dire, dans cette petite tente. Oui. De bienfaits extraordinaires. Voilà, moi je aller à la maison, c'est vrai que je l'utilise à des moments où je sens que j'ai besoin d'aller me retrouver avec moi-même et de me retrouver avec cette chaleur qui vient justement réveiller toutes les cellules du corps, le corps aussi bien subtil que physique et apaiser le mental. Il y a comme quelque chose qui vient de... On est dans la chaleur, on est enveloppé par cette puissance du hammam et de cette vapeur, de cette chaleur. C'est vraiment un voyage extraordinaire. Donc, bon, si vous voulez avoir les informations sur cette tente que vous pouvez avoir, il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace pour l'avoir et de vous permettre d'avoir un hammam à la maison. Voilà, on laissez-nous un petit message, que ce soit sur mon Insta Iba Boufares ou celui de Mégane Enoya, _8bis, qu'on va vous remettre à la fin du live pour que vous puissiez nous poser toutes vos questions. Et Mégane, je te laisse poursuivre cette merveilleuse présentation. Oui, pour faire un petit aparté sur le matériel, justement, puisqu'on est en train de montrer le hammam. Donc, c'est aussi, en fait, le soin se fera soit au cabinet, donc chez Oi, qui est notre salle de soins à Iba et moi, et soit à domicile. Et si c'est fait à domicile, en fait, on fournit complètement le matériel. Donc, on emmène vraiment tout ce dont on a besoin pour vous prodiguer le soin. Donc, vous n'avez qu'à nous apporter votre merveilleuse présence, en fait, le jour du soin. Et tout le reste est, en fait, tout comme le soin, finalement, tout est un enveloppement. Donc, même le côté pratique et technique du soin, vous n'avez pas du tout à vous en soucier. On s'occupe vraiment de tout pour s'occuper au mieux de vous. Donc, pendant le hammam, avec cet élément du feu, on va venir vous accompagner, donc nous, à l'extérieur de cette petite tente. Et on va vous accompagner avec des chants sacrés et le son du tambour. Donc, c'est vraiment pour nous aussi un grand moment, encore une fois, avec Iba de communion. On se connecte l'une à l'autre et on se connecte à vous et à tout ce qui peut émerger pendant ce moment. Toutes ces émotions qui vont pouvoir émerger pour vous au moment du hammam, toutes vos visions, les couleurs que vous allez pouvoir voir et les sons aussi qui vont vous venir, peut-être les mots qui vont vous venir pendant ce moment très précieux du soin. Et nous, on vient accompagner tout cela avec ces chants qui nous viennent, qu'on appelle ça des chants sacrés, parce que c'est vraiment des chants intuitifs qui nous viennent du cœur
et où on vient justement l'épuiser du cœur, on vient l'épuiser de l'ancrage à la terre, et on vient faire monter encore une fois ce feu, cette énergie d'incandescence à travers un égrégore en fait de sons et de musique, et pour vous accompagner. Et c'est un très très beau moment qui moi pour ma part à chaque fois me porte très très loin. Oh oui, et pour venir au départ, à la première pierre qui a été mise pour nous deux, Mégane, j'ai envie de revenir un petit peu en arrière par rapport à la formation que l'on a reçue en même temps. Ouais. Et c'est comme ça que l'on s'est connus et c'est comme ça qu'on a eu l'envie en tout cas de vous accompagner avec la présence de chacune. Et en fait, pendant la formation du soin Rebozo, donc il y a eu plusieurs groupes et plusieurs femmes où chacune son tour du coup utilisait la main puisqu'il n'y en avait qu'un pour les trois trios et donc avec Mégane on n'était pas ensemble à notre grand rêve, mais on l'est aujourd'hui mais tout ça pour dire qu'à un moment donc, j'étais en train de faire le massage avec ma binôme et cette merveilleuse femme et puis à un moment donc Mégane j'allais dire son équipe, et c'est pas vraiment ça, son trio, formé pour aller au hammam. Et en fait, voilà, elles ont commencé à chanter. Et la Mégane, elle a pris une place dans vraiment tout l'espace qui nous a accueillis. Et en fait, j'étais en train de masser. Et pourtant, j'étais concentrée. Hein, et là, je me retrouve. Qui chante comme ça? C'est qui cette merveilleuse place qui nous emporte? Et du coup, ça a mis une toute autre énergie, une toute autre dynamique dans le cercle et dans cet espace qui était juste magique. Donc, merci. Et effectivement, les chants et les instruments, on utilise le tambour. Et d'ailleurs, on aimerait vous faire partager, vous faire vivre ce moment dans le hammam. Là, en l'occurrence, vous allez être derrière votre téléphone, bien confortablement chez vous, et de vous faire voilà un petit voyage au son de la voix, merveilleuse voix de Mégane, et au son du tambour que je vais jouer pendant que Mégane se prépare. Tellement, à travers sa voix, c'est juste extraordinaire, mais j'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir après. Merci à toi, Mégane. Découvrir cette merveilleuse voix. Voilà. Merci, On a des frissons et nous aussi, vraiment. Oui. Et il y a Morgane qui nous demande pour le domicile sur quel département. Eh bien, écoute, ça sera Paris et Île-de-France, parce qu'après, ouais. C'est on déplace tout le matériel, donc c'est une énorme valise avec beaucoup de sacs. Oui. Voilà, je ne veux pas que ça soit contraignant pour chacune de nous. Et surtout, c'est un soin de 4 heures. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut s'accommoder aussi. Envoyez-nous des petits messages pour qu'on puisse s'organiser. Mais l'idée, c'est qu'on reste quand même en région parisienne, Île-de-France, pas au-delà. Voilà, ouais. Après, si on a l'occasion de voyager et d'aller dans le sud de la France, une petite tournée dans le sud de la France, je suis OK. Espoir et Bozo, ça sera avec le plus grand plaisir. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, on se concentre sur la région parisienne. Et merci pour ta question, Morgane. Île-de-France, ça me va. OK. Merci. Parfait. Toi, OK, ben, on parlera du tarif à la fin. Ouais. Clôturer tout ça. Donc, Justine, je te demande de patienter un petit instant, le temps qu'on finisse toute cette présentation. Le déroulé. Voilà, le déroulé de ce soin. Et si vous avez d'autres questions, de toute façon, on les a là. On va pouvoir y répondre à la fin. Merci pour le message. Donc, du coup, on passe de l'élément feu et on retourne à l'élément terre pour la fin du soin, ce qui va clôturer en fait le soin. Et ça va être un resserrage en 7 points clés du corps avec le Rebozo. Donc en fait, le Rebozo qui est le nom du tissu qui est utilisé pour le soin. Donc Iba vous le montre là juste au-dessus. Voilà. Et donc c'est un tissu qui est fait de manière traditionnelle. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez une partie très serrée et du coup très... j'allais dire très rigide et à la fois une partie très souple, vous voyez, qui fait que en fait
pendant le serrage, à la différence d'un tissu classique, on va venir à la fois serrer avec beaucoup de densité, mais à la fois beaucoup de souplesse. En fait, c'est vraiment ce tissage-là qui fait et qui donne cette sensation-là. C'est un tissage aussi que... Enfin, un rebozo, donc c'est vraiment une grande écharpe, hein, de différentes couleurs que l'on met à cette point bien culminant que tu viens de décrire, Mégane, et qui est aussi utilisée par les femmes mexicaines pour le portage, pour voilà, se s'habiller, sortie de bain, etc. Donc c'est vraiment un tissu qui est précieux pour cette communauté et ce peuple, et qui aujourd'hui on en fait en tout cas un bien aussi qui nous est précieux, surtout pendant ce soin. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment ce tissu à la fois hyper serré et à la fois hyper aérien quelque part. On retrouve là la terre, l'air quelque ouais. part dans ce tissage-là et voilà. Oui. Et pour vous en dire un petit peu plus sur les 7 points, du coup, pour aussi vous décrire quels sont ces points. Donc en fait, on commence cette fois-ci par la tête et on va redescendre jusqu'aux pieds. Et donc on commence en fait donc cet espace ici, et on va vraiment venir en fait au niveau de la tête, au-dessus des yeux, voire peut-être même couvrir les yeux aussi en fonction de ce qu'on ressent sur le moment et de ce dont la femme va avoir besoin. Et ensuite, on va venir au niveau aussi des épaules. On va venir au niveau du ventre, on va venir au niveau du bassin, on va venir au niveau des cuisses, on va venir après au niveau en descendant dans les jambes et venant jusqu'aux pieds, vraiment jusqu'aux pieds, jusqu'aux chevilles et jusqu'aux pieds. Et venir complètement en fait redescendre cet ancrage pour terminer le soin, ce soin en communion avec la personne qui le reçoit et donc les deux praticiennes qui le prodiguent. C'est vraiment permettre de vous enraciner pleinement, d'embrasser la terre et de vous embrasser à la fin du soin et qui va durer dans le temps. C'est un soin et c'est un état que j'ai partagé avec vous hier pendant ma story, parce que j'ai un soin particulier, très énergétique, et qui donne cette sensation un peu de... On plane complet et cette sensation de flottement et auquel on arrive à percevoir pendant et après un soin rebozo. Donc, ça dure vraiment dans le temps. Ça peut durer une semaine après le soin de vraiment profiter de ce moment avec vous-même et profiter de cette énergie qui a été révélée, réveillée et avec laquelle vous allez pouvoir œuvrer pour aller un peu plus loin dans le cheminement, justement. Et je trouve que la symbolique est importante du côté des polarités, de venir en fait travailler sur les différentes polarités. C'est pour ça qu'on vient toujours dans le soin en fait refermer pour ouvrir, puisque que ce soit pendant le massage ou pendant le serrage, vous êtes entouré en fait de draps, de couvertures, et on vient vraiment vous mettre comme dans un cocon, comme un petit papillon en fait dans sa chrysalide, et vraiment on vient toujours refermer et réouvrir. Et c'est vraiment travailler sur ces différentes polarités pour permettre d'unifier complètement la personne et que la personne se sente en fait au centre d'elle-même et parfaitement à sa place au centre d'elle-même. Et c'est aussi l'idée d'accompagner ce processus-là et d'amener... d'amener en fait finalement dans cette nouvelle étape de transformation que vous souhaitez dans laquelle vous souhaitez rentrer à travers ce soin et après ce soin et qui sont des étapes de transformation qui prennent beaucoup de visages. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus, Siba, sur justement un peu les on va dire les raisons qui pourraient pousser quelqu'un à vouloir faire un soin rebozo? Oui, alors c'est un soin que l'on prodigue à des femmes et pas seulement. On peut aussi accompagner et on souhaiterait accompagner au mieux des personnes qui ont décidé de changer de sexe, donc de passer du masculin au féminin et d'accompagner justement dans ce rituel de nouveau, enfin d'ouverture vers un nouveau cheminement. Mais c'est également un soin que l'on prodigue en postpartum principalement, puisqu'en fait on vient refermer le bassin, on vient lui redonner sa structure initiale qui a accueilli un bébé pendant 9 mois et qui a permis au bébé de passer et de naître. Donc ça c'est vraiment, moi je mets l'accent un petit peu sur le postpartum parce que je suis ostéo et que je
j'accompagne beaucoup de femmes enceintes et de nourrissons, mais c'est aussi un soin qui est propice à toutes les femmes qui passent une nouvelle étape de leur vie. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un divorce, un mariage, vraiment des étapes et des événements qui demandent en tout cas de qu'on prenne soin de soi et qu'on soit dans l'acceptation de ce qui s'est passé, de ce qui se passe en ce moment, et de mettre l'intention pour l'après. Donc c'est vraiment à l'accompagner pour des jeunes filles aussi qui ont eu leur première lune. Oui. Être une étape aussi d'accompagnement, en fait, tout simplement, de cheminement vers cette nouvelle étape et strate de la vie d'une femme. Et tu m'en parlais aussi l'autre jour, l'aspect aussi du deuil, d'accompagner le deuil et toute forme, d'ailleurs, toute forme de deuil, mais qui est aussi une étape de transformation à venir accepter pour pouvoir aussi accueillir ce processus de deuil. Et de la même manière, c'est un soin qui peut être tout à fait propice à ce genre aussi d'intention. Tous les événements. Et donc, on a Lucie qui nous demande à qui est destiné ce soin. Donc, du coup, on vient d'y répondre. Et en tant que praticienne, peut-on le pratiquer seul ou le soin est à faire à deux? Alors non, on ne peut pas le pratiquer seul. C'est un soin vraiment qui a été construit pour être prodigué à plusieurs. Et d'ailleurs, du pays d'où il vient, donc le Mexique, ce soin peut même être prodigué à plus de deux femmes. Donc, on peut avoir même 4-5 femmes qui vont prodiguer un soin à une seule femme. Donc c'est un peu le but d'avoir vraiment d'être à plusieurs et de prodiguer ça à une seule femme pour l'envelopper complètement dans ce procédé. Et de se retrouver en fait entre les mains de deux femmes, je trouve qu'on ça laisse en place à la vulnérabilité en tant que force. Et c'est une phrase que tu dis très souvent, Mégane. En vrai, c'est exactement ça, c'est complètement se laisser abandonner par des femmes qu'on ne connaît pas forcément, hein, parce qu'on ne se connaît pas avant même de savoir au téléphone pour émettre justement l'intention pour ce soir. Et c'est vrai que tout à coup, il y a comme un espace qui s'ouvre et qui est magique, dans le sens où on vient se rencontrer, même si on s'est déjà rencontrés, nos hommes se sont déjà rencontrés, mais on vient se rencontrer humainement et physiquement, et ça donne une toute autre dimension de ce temps. Et j'ai envie de dire qu'à la fin de ce soir, on ouvre aussi un temps de parole qui est hyper important. Permettre à la femme qui a reçu ce merveilleux soin de pouvoir se déposer, s'exprimer, partager, peut-être juste être en silence aussi, c'est ok, c'est juste respecter ce qui se passe en nous, en tout cas en vous, et nous on est vraiment là en tant qu'observatrice, accompagnatrice et comme vous donner un point d'appui pour pouvoir complètement vous déposer en vous-même. Oui, et d'ailleurs, ça me ramène aussi à notre rituel à la fin du soin, où quand on vous laisse après le serrage, donc on laisse bien évidemment la femme aussi revenir à elle-même tranquillement et avec beaucoup de douceur. Et très souvent aussi, on va venir tout simplement se mettre en état méditatif, Iba et moi, à côté de la femme, pour simplement en fait sentir cette union qui s'est créée à trois à ce moment-là et qui nous en fait nous donne aussi envie de se déposer à la fin dans ces énergies et dans ces vibrations et pour nous c'est très agréable aussi à la fin finalement de se poser près de vous et de tout simplement laisser faire ce qui émerge à ce moment-là et c'est très plaisant et c'est très agréable pour après ouvrir le dialogue aussi avec vous. merci Mégane de rectifier et de remettre le contexte de lâcher prise aussi de notre part, de déposer justement pendant ce moment qui est suspendu et qui est juste extra. Ouais. Alors, je vois également une question de Justine. Est-ce que ce soin peut aider à transmuter des peurs? Eh bien, oui, bien transmuter tout ce que vous souhaitez transmuter, tout simplement. Tout à fait. J'ai envie de dire, écoutez-vous et écoutez ce que votre cœur, votre âme, votre corps vous demande et simplement pouvoir le déposer en intention. Donc nous aussi, pendant le soir, on va vous accompagner à vraiment réaliser votre intention précisément avec des mots bien précis
que vous allez pouvoir formuler et que l'on va aussi formuler, reformuler derrière vous pour qu'on soit en accord complet. Donc j'ai envie de dire oui, vous transmettez ce que vous avez envie de transmettre et ce qui vous semble juste de transmettre à ce moment-là. J'espère que j'ai répondu à ta question, Justine. Et quelque chose, Mégane, par rapport à cette question. Et ensuite, tu as tout dit. Oui, ce soir effectivement est magique. Pour tout vous dire, moi j'ai été formée 3 fois aux soirées Bodo. Avant, alors du coup, moi on l'a fait avec les Tata Doula, donc Justine et Justine, pardon, mais parce que je te vois écrire, mais c'est pas du tout Justine, c'est Caroline et Marine. Et Marine. pensée pour elle. Et en fait, au bout du deuxième, on dit mais t'en as pas marre de refaire le soin à chaque fois. Enfin, c'est pareil. Je dis mais pour moi c'est pas pareil parce que à chaque fois, vu que je me forme à un moment bien particulier de ma vie, de l'année, parce que c'est au début de l'année, c'est au milieu, à la fin. Et en fait, je découvre le soin autrement. Et en fait, il m'a fallu 3 formations de ce même soin. de ce même enseignement pour pouvoir ensuite le prodiguer et ensuite le partager avec toi Mégane et avec toutes ces merveilleuses femmes qui ont reçu ce soin avec nous et qui le recevront par la suite. En tout cas, on reste à votre disposition si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec nous. Sachez que là, c'est un peu compliqué de vous faire le soin, même à distance. J'en aimerais beaucoup, mais c'est... mais voilà, pour peut-être se l'offrir, on peut se retrouver après la fin du confinement. Oui, bien sûr. Se mettre d'accord sur une date et un horaire qui nous correspondent et qui soit le plus propice à chacune d'entre nous et en parler un peu plus en détail si vous le souhaitez. Donc, on reste... à votre disposition. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en live ou sur l'Insta de Mégane et du mien. Et il est maintenant 15h37, donc nous avons une vingtaine de minutes. Est-ce que Mégane, tu aimerais rajouter quelque chose sur le soin Rebozo ou est-ce qu'on ne commencerait pas par... Bah alors du coup, peut-être pour terminer sur le Rebozo et en attendant que vous puissiez nous poser vos questions, du coup on va aussi évidemment vous parler du tarif qui est aussi qui a un engagement financier aussi dont on doit vous parler et également vous parler. Alors attends, je vois juste une petite question. Ah bah très bien parce que j'allais l'aborder. Ce qu'on peut faire au niveau de la prise de contact, c'est que en soi, vous pouvez nous contacter dès maintenant pour en parler avec nous. Comme ça, on peut déjà commencer à échanger. Si vous le souhaitez, donc on vous mettra après nos Instagrams respectifs sur la conversation. Moi, j'ai créé une page là dédiée sur le soin sur mon site. Donc, vous pourrez aller consulter aussi cette page si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires. Et du coup, après, nous contacter directement par mail ou par message privé. Et en fait, on peut déjà commencer à échanger. Évidemment, vu que pour le moment, la situation n'est pas claire au niveau des dates et de la sortie du confinement et aussi de la manière dont on va venir progressivement dans le déconfinement, puisque déconfinement ne veut pas forcément dire dès le lendemain du confinement, on prend des rendez-vous. Donc voilà, on va aussi s'accorder un temps évidemment pour après organiser nos agendas et se synchroniser aussi avec les vôtres et puis on pourra en discuter, mais vous pouvez déjà nous contacter dès maintenant, il n'y a pas de souci. Ouais, je vais vous l'écrire tout de suite comme ça c'est fait. Je vais vous mettre nos Insta. Ouais. Voilà, ça vous allez pouvoir nous poser toutes les questions. Voilà. Et on y répondra en tout cas avec beaucoup de justesse, beaucoup de plaisir aussi, beaucoup de joie. Ouais. Et donc, Iba, est-ce que tu veux parler du coup du tarif, qu'on puisse parler un petit peu de l'aspect financier aussi? Bien sûr, bien sûr. Alors, pour revenir à ta question qui était très pertinente, et merci de la poser, parce qu'effectivement, c'est un soin que l'on s'offre, mais c'est un soin aussi qui a une certaine valeur qui est de 400 €. Donc ce qu'on propose, étant donné que c'est un soin de 4 heures, c'est un prix
qui nous semblait juste aussi de vous proposer ainsi. On se rend bien compte que c'est une somme assez importante et c'est pour ça qu'on vous propose également de vous accompagner, de vous aider, d'alléger un petit peu cette sortie d'argent. Sur plusieurs fois, on s'arrange aussi pour vous faire des factures de manière à ce que vous puissiez voilà, mais on s'arrange toujours pour que vous puissiez vous offrir ce soin de manière la plus fluide et la plus rassurante pour vous, que ça ne soit pas une contrainte et que ça ne soit pas voilà, un frein, vraiment. Oui. On n'a pas envie que ce tarif puisse être un frein tout simplement à recevoir ce merveilleux soin et on espère en tout cas que voilà, on a pu répondre à toutes vos questions, j'imagine. Mmh. Ouais, si vous avez encore quelques questions à nous poser sur le soin, sur le déroulé, une question technique, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Mmh. Merci à toi. Ceux et celles qui sont arrivées un peu plus tard, Megan est une femme extraordinaire, artiste, thérapeute, et qui est ma binôme de cœur, ma collaboratrice. constamment d'ailleurs, vraiment, on s'appelle presque tous les jours pour oui. Voilà, réajuster les soins que l'on vous propose de manière la plus juste et puis et selon aussi l'énergie de planétaire qui se passe autour de nous parce que tout est en mouvement, malgré l'immobilité actuelle du monde avec ce confinement et cette statique quelque part parce qu'on fait des. On fait des activités, du yoga, du sport, etc., mais dans un endroit bien, bien précis. Donc, c'est dans ce sens-là que je parle d'immobilité, de mobilité. Et c'est aussi, je fais un petit clin d'œil à Justine de Latch Home qui a organisé un merveilleux week-end sur justement cette mobilité, immobilité. Et pour y revenir, c'est vraiment un ajustement qui me semble juste à Megan et moi pour vraiment vous proposer un soin qui soit d'actualité. énergétique et vibratoirement, c'est ouais. Et c'est des soins que voilà, on fait chacune de son côté, bien sûr. Toi, Megan, en tant que thérapeute en gynécologie holistique, et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que très prochainement, Megan vous parlera de cette sphère de la santé féminine et de toute la sphère gynécologique très prochainement en live sur le compte des Insta. Le compte des Insta. Insta, pardon, des Amazones parisiennes. Et on vous fera une petite story pour vous mettre les dates pour la présentation de Megan. Mais voilà, très prochainement, elle vous parlera de toute cette sphère qui l'anime. Tout à fait. Alors, merci. Je pense qu'on va pouvoir clôturer si tu es bien d'accord. Ouais. Ce partage sur le soin Rebozo, j'espère que voilà, on a été clair, ça a été pertinent pour vous, qu'on a répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore, on reste à votre disposition. Et maintenant, on laisse place à la voix de Megan. Merveilleux tambour. Alors moi, je veux juste vérifier, pour les personnes qui sont présentes. Si j'enlève mes écouteurs, est-ce que vous entendez un écho quand Iba va parler Hello, hello. Alors. Parce qu'avec mes écouteurs, en fait, quand tu parles, ça coupe des fois. Donc, je me dis que je n'entendrai peut-être pas le tambour si je garde mes écouteurs. Ok, très bien. Très bien. Dites-nous aussi, il se pourrait qu'il y ait un écho de votre côté. Donc, n'hésitez pas à dire. On baissera un petit peu le son de notre ouais. tambour de manière à ce que vous puissiez et recevoir le chant de Megan et le son du tambour. Okay. On nous dit que c'est bon, donc je pense que c'est ok. Super. Allons-y. Alors, on va vous inviter à vous mettre dans une position confortable et fermer les yeux. Prendre une grande inspiration en gonflant bien le ventre, puis le thorax. Et soufflez par la bouche. Inspirez encore une fois, en gonflant bien le ventre, puis le thorax. Et soufflez. Je vais vous inviter tout simplement à vous laisser porter
vous laisser bercer par cette merveilleuse Mégane. Le son du tambour pour un voyage intérieur au centre de vous-même. Tranquillement, vous allez pouvoir inspirer en gonflant bien le ventre puis le thorax et souffler par la bouche. Inspirez encore une fois. Et soufflez.
Et vous allez revenir tranquillement dans l'ici et maintenant, en ouvrant tout doucement les yeux, les paupières. Bienvenue à un nouvel endroit de votre être. Merci Mégane infiniment. Merci à toi. Pour ton partage, pour ta présence, pour ton énergie et ta beauté. Et nous restons présentes, les deux, pour répondre encore une fois à toutes vos questions et pour éventuellement vous proposer de nous rencontrer à travers ce soin. Et je fais un petit rappel, c'est que Mégane, vous allez pouvoir la retrouver très prochainement sur le live des Amazones parisiennes pour vous présenter son art, la gynécologie holistique avec toute la sphère de la santé féminine. Donc restez connectés, restez bien présents à tout ce que l'on vous propose, aussi bien en story qu'en post. Et je vous dis à très très bientôt, je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve demain en live sur les Amazones parisiennes à 10h avec Mika qui va vous permettre d'apprendre à faire le naouli. Donc je le fais avec mes mains. Un mouvement du ventre très particulier qui est d'une puissance extraordinaire. Donc je vous souhaite une très 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 belle soirée. À bientôt et restez connectés. Merci encore Mégane. À tout vite. Bye.